DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Balandi à DMTV, merci en tout cas. La présence de Bino de plus en plus nombreuse. Awa pona kolanda kaba réflexion yo ba vidéo biso to tiela kabino concernant kaka makambo ya mboka na biso, notamment un peu plus makambo etali football congolais tozo kende wapi. Donc boso mona situation lelo siko yo ba résultat est commis médiocre, donc moyen les choses à dissimuler médiocrité y a ba dirigeants ils attendent parce que ba résultat est commis funda pour la qui s'appelle que non notre sport d'abord le sport congolais ils ont un problème beaucoup considérable. Alors les choses sont mis sur une réflexion beaucoup concernant caca football congolais, une réflexion beaucoup concernant notamment un de nos grands clubs de Kinshasa. Il y a tout le monde souvent que il faut éviter ce phénomène. Il y a suivra où tanti na beti ayemba bilanda landa suivra. Ce que moni moninga c'est les locaux que landa na précédé. Il faut nan yopé au mûrir nan nous ni réflexion réfléchir sur sujet en gros tel nan est ngapé na ko sala en gros pour na long terme parce que ba court terme ni bon ba congolais parce que vous savez que tous a na ba difficulté énorme ya ko entretenir ba qui pensa donc ba qui obnit ma belge ba tiki la biso ba qui ba tiki la biso ba bâtiment ba tiki la biso ba voie de chemin de fer ba tiki la biso ba kamokili ki l'auto singa bango ba singa biso bolimbizi. C'est vrai que ba sala ki biso ma be ba kata ki biso ba maboko ba fimbu ba bwana boye oyo Patrice Emery Lumumba lobaka na discours na ye wana boye bien discours na ye devant le roi ni le roi Baudouin. On avait été victime des ironies, bon abou. Bama benyoso, basala bakanja, bama benyoso, ana bino boyebi. Mais néanmoins, bah tiki abiso quand même. Moi, bah qui mon koboye, bah qui ango, tu es bah qui gérer ango, tu es bah qui ango, tu es bah qui te ko entretenir yango. Yango na le lot, tu commis la situation que bah bâtiment ou bah beige, bah tiki ati le lot ezali et puis ezali dans quel état? Notamment déplorable. Bah, belge, bah, tongi la biso quand même capital wana, disons la le centre du côté bah côté centre ville, hein. Et puis biso se côtoyé, l'assistant na biso ya kotonga avec ma construction anarchique, ya wana toujours subir ma problème ya ba érosion, ma problème ya boina boy. Alors lelo avant tout côté na sujet na biso na ligne na nous to na rappeler bino hein parce que très souvent ba toi la ki saka biso ba image ya pagode chinoise oyo mobutu atonga kana sele kuna ezaki eza na entrée ya domaine présidentiel ya sele avant koma na cité du parti esika nini ekeko oyo maître lio lo asala wana simba flambo avant koma kuna na suka na ebandelika ya domaine présidentiel wana et pagode chinoise ezali bomona pagode chinoise wana notamment na clip ba clip oyo nani big star ya defa esalaka hein? Monika ka album monya ba madova ba nini tout ça ba radio trottoir ba nzembo yo ezalaki na album wana ba ma famille ki kuta tout ça. Alors pagode chinoise wana à l'abandon batu bazo les gens se sont acharnés sur Mobutu ah momoni ba blog Mobutu bwana bwe mais est-ce que Mobutu qui est mort devait encore revenir pour entretenir ko balayer yango parce que de son vivant c'était impeccable tant qu'il a accueilli c'est resté abandonné toujours réclamer que ba belge ma sung celebiso ba statue na biso ba œuvre d'art ou ezali na musée na bango na terre vuraine mais est-ce que nous savons entretenir ces choses là parce que biso ba statue et ba stand y a ma boye na boye et zali wana boye à l'abandon. Heureusement, le grand problème y a Congo et c'est le problème y a quoi entretenir. Bon, mon qui centre courant en pauvre, oyo, y a léopard wana et zali entretenir. Te, ma nyo ka basali kobima même na terrain wana. Et nous, on continue comme ça, on a utilisé ça. Courant en pauvre, championnat, monsieur, ils ont bête ma kuna, pas championnat, bah, EPFK, non, ils ont bête ma kaka na courant en pauvre wana, pas grillage wana, ils allaient rouiller. Donc, c'est ça.
Congolais entretiennent des likambo. En deux ans comme ça, parce que nous sommes dans les tropiques quand même, nous sommes quand même pays où ils allaient dans la cuvette centrale, ils allaient peser dans le centre poumon de la terre. Et bien, donc, loco, matite, botara rapidement, alors que, de ma côté, il faut pour travailler ma belle wana, boina boy. Chez Bisso, bakira, mokokoli, boy, dimelanga, et robota. Donc, problème de psychologie entretien. Nazo la qui s'abîme en nous, bah, image, oh yo, ya nini, ya, notamment, ya, il parlait au Yamobutu na Lisala, on a commencé à l'abandon, comment ensuite, comment qui n'est-il, il va utiliser comme salle de classe pour nous repasser ma cour, baboyenaboye, et ensuite on reviendra pour un sujet d'habitude les lots, et j'allais qu'on concerner Vita Club, j'allais qu'on concerner centre Yakimbondo, y'a Vita Club. Tout là, dans un mois, extrait, on a mouqué, y'a Ndako, y'a Lisala, on a feu, maréchal Mobutu, ensuite Rozonga, pour tout l'accès à Bino Sikoyo, centre Kimbondo, où il y a Vita Club, Ndenge komi lelo na seconde oyo, bilili wana touti ko zango kaka na semaine oyo. Bolanda ensuite, on va se retrouver juste après. Il est achevé. Il est à ce jour abandonné et en ruine d'ailleurs. Et vous avez toute la plaque en bas qui est en marbre, comme vous pouvez le voir. Et je peux m'imaginer combien c'était difficile de ramener du marbre ici. Ça devait venir par avion. Et vous savez combien ça peut coûter ramener des tonnes de marbre ici. À l'entrée principale, vous avez cette plaque. Il a inscrit MB. Ça doit être Mobutu Sese Seko. Là, c'est l'intérieur. C'était le salon d'entrée, les halls d'entrée plutôt. Et tout est abandonné aujourd'hui. Tu vois l'explication de ce que tu as vu ? Oui. Ici, c'était le salon d'entrée. Donc c'est ici où il recevait ses visiteurs d'honneur. Ah, ok. Il y a eu des portes en rail. Ouais. En rail. La maison était construite en quelle année? C'était les années 90. Les années 90. Je me rappelle quand il y a donc des portes en rail. Qui séparaient. C'est-à-dire, il y a eu des vitres filmées. Il y avait des vitres ici. Donc même s'il y avait des visiteurs de l'autre côté, ici on pouvait facilement fermer. Et c'est que le visiteur de marque qu'il pouvait recevoir ici. Ok. La salle était vraiment typique de l'équipement. Et tout l'équipement a été pillé? Tout a été pillé. Réflexion. Tout le monde doit réfléchir. Voilà, Wanezaki Babilili, il y a palais présidentiel, il y a Mobutu, il y a Tongana Lissala, ville natale naïe, dans la province de la Mongala. Donc, c'est là comme ça, à l'abandon. Et ça, c'est comme que Mobutu, Azaki naïe, qu'on est tout le temps. Et vous savez bien que Azaki n'a pas naïe à Kanchachi, Azaki n'a pas naïe, oyo ya Kawele Kuna, Bado Banini, Azaki pe n'a pas naïe, na Mbandaka, tout ça, c'est resté à l'abandon. Hein. Sauf parler où il y a Goma, je crois quand même Goma tracé, ça là qui est fort pour nous entretenir Yango, Batiki Yango dans un état impeccable. Mais parler mon soso, il y a Baboyena Boye Bansé, Lebanim, abandonné parce que il n'y a pas une structure. Ça appartient à l'État. Ce qui même Bolobi, non, mon bout à Kéi, tout botoli, Babilo, mais ça appartient à l'État, c'est à l'État. Il fallait y entretenir Yango. Voilà que l'accès est extraordinaire. Ça, en guise d'introduction, parce que mon bout à Koufanaye, mais.
Centre Kimbondo a vu ta club Boyebi bien tango forme ta qui na masolo wana ya ba centre Kimbondo wana pour rivaliser avec le tout puissant Mazembe ya wana na introduction na ibise kibino likambo phénomène wana ya bilanda landa mi suivra ezali mabete mais tango ezali ko landa ça makambo penza ezana vision moko ya long terme ce que sa vision kaka ya court terme pona ko loba biso pe to sali yango biso pe bwana boy mais tango yo longwe na place wana to moni tout de suite que structure réalité, suivi réalité, terrain, la nature a repris ses droits. Né dans le bisabino, né, bromona n'a pas image, bromona ma ezali na état pitoyable. La piscine ma va trop, on dirait piscine na founa tango ba beige batika rango, on dirait piscine na collège bobo tout tango mona moko azinda kakuna ba abandona ango, donc etikali na état wana. La pelouse alors là, il faut l'aider sa batu mingi tango ba mona pelouse wana, ba kole là. Hein, il paraît même, je ne dis pas il paraît, mais c'est déjà sûr, mur, il y a clôture, et boucani n'a pas érosion, calaté érosion, et qu'on gagne terrain, et qu'on lie un peu terrain, on est à football. Ceux qui va tiquer ça, ceux qui va réagir, et qu'on tire la bouée. On est entré comme dans un moulin. Tu es au côté de la bise, tu filmes, tu tali, tu côté de la salle de fitness, on a boyé, tout. On n'a pas vu un chat. Bon, là, non, Billy, ensuite, on va revenir pour conclure. Voilà, ici nous sommes au centre Kimbondo de Vita Club, comme vous pouvez voir, hein, bah kit c'est quelqu'un qui a mis balai, hein, et l'embo qui est Vita Club, donc bah kit Vita Club wana personnalisé. Donc le centre est là, bozomona, bah dortoir, les allées, tout ça, c'est vraiment à l'abandon. Dès que bozomona bah image wana. Centre ya Vita Club ya Kimbondo wana ke ba komisa ki belé tout ça ba entraînement comme qui basé wana na centre Kimbondo wana, l'ancien domaine qui appartenait à Bob Falmundabi donc voilà maintenant le centre est là la piscine rendez-vous compte à la état piscine hein bozo mona mai ndenge komi na couleur nini mai wana komi et puis niveau ya mai ekiti pour cause bokoyo kango na réflexion toujours ça ka toujours les lots la pelouse est là. Les terrains, bon, on a salle de fitness, hein, pour tout se rendre compte vraiment, voilà, la salle de fitness, et ça, bah, moi, bah, matos, et ça, on a la fitness, le community, basic fit, hein, les gens viennent, ils payent un peu de sous, et puis, bah, au salle, bah, entraînement, là-bas, mais, bota, la taille à pelouse synthétique, bah, ndeko, bota, la taille à pelouse synthétique, oh, ils allaient mawatro, ils allaient complètement pourri, ils allaient vraiment impraticable désormais, donc, pelouse synthétique, et ça, on a boyé. Entretien exalité, bah, renouveler la pelouse synthétique qu'on a été, et vous voyez dans quelles conditions Vita Club se retrouve aujourd'hui encore à la recherche des terrains d'entraînement, alors que centre de Kimbondo, les Akiwana, ils ont aussi un caca, pour ça l'entretien. Mais quand Tango Fort est parti, on a compris maintenant que Yaya Akiwana, car pour la causer, servir, et puis il part, il vous laisse ce centre-là comme ça, complètement à l'abandon. Mais qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas chez nous? Qu'est-ce qui ne va pas chez le peuple congolais? Bon, t'as le centre de Kimbondo, où il y a Vita Club, Naïta, où il y a Kominango, c'est vraiment lamentable, hein? C'est vraiment lamentable et qu'on continue à boiter, hein? Le terrain est là donc complètement démoli et ça doit continuer comme ça encore pendant des années. Sinon, on ne prête pas gare, hein, on ne fait pas attention, on continue à raboyer, on risque même de faire alors que tout était réuni pour le développement du football congolais, notamment par Vita Club, quand même, qui est un de nos représentants. Voilà, nous sommes de retour. Naza, certains qui bah vécu bien pensa oh y a solo bah vrai vécu bien basali na kanda parce que on recommence à zéro. Équipe comme ils sont à la recherche d'un terrain d'entraînement alors que terrain basali qui déjà centre à Kimbondo. Qu'est-ce qui a manqué? Il y a des joueurs qui ont été vendus, ça a généré de l'argent. Il y a l'État qui donne des subsides. Tant on vit et qu'il n'y a pas coupe d'Afrique on a CAF et les sous et puis ça va bon. Qu'est-ce qui empêche que Bosom bah pensa terrain moko quelque part au Congo car on a Kinshasa là botongi centre moko malé mais brique sur brique ti botongi lo kuna bino calmement bonge kaka tonga lelo banda entraînement banda lelo pelouse synthétique wana ezaka nango na besoin il y a cause à l'entretenir pour y oumer là et puis il faut renouveler, il faut changer le terrain synthétique botala état terrain synthétique wana botala piscine wana lelo kutu bomoni maye diminué parce que batu moko ba koma ko teka mayi wana batu donc les gens viennent na bidon na yo ba tondi sur ba jika ka mayi na kata piscine wana ba tondi sur lion na bidon na yo ba fou au footi ce qui descend fond il y a des gens qui font ça
Bazo utilise marijuana pour na babilanga banini. Donc c'est vraiment lamentable. Mon idée de conduire comme dans un moulin, on a vu aucun chat, vous avez vu personne, aucune résistance. Que oh coco tata, ah vous allez boire, boire. Non. Ce que vous c'est peut-être que moi, aventurier, qui font office de gardien, entre en train de faire un peu de filmer des bolingi, vous n'avez pas vu que aux portes, c'est ouvert, porte ouverte, vite à clair. Un grand d'Afrique, tout ce qu'on a ça, bon, à boire, béti, deux finales, il y a ma compétition africaine, il y a tout ça, bon, tout le monde a image à l'entraînement, il y avait un public qui venait aussi. Mais le centre de Gimbon, certains n'osent pas en parler. Donc, c'est qu'on a vite à télévision, chaîne Nabango, ils allaient, on a vite à télévision, et il m'a rappelé, ma vérité, il faut parler, il faut dire la vérité au peuple. Vita Club, ce n'est pas seulement des le supporters à Kinshasa. Vita Club, ils ont des supporters dans tout le Congo, même en Afrique, dans le pays où je suis d'Afrique, des supporters à Vita Club, ils ont dans la diaspora, il y a des véhicules bien. Il faut que ça soit en réalité, tout ça, c'est la cagnotte, tout le monde, tout le pays, l'idée, on a. Et tout le monde a rencontré la bande qu'on a vu sur FC Renaissance. Il y a des gens qui ont une société locale, la Safricas. Parce que Safricas, il y a un Tonga immeuble, par exemple, qui a son accord. Safricas est Tonga, le bâtiment est belé dans Kinshasa. Safricas est capable de construire un stade. Pour qu'il n'y ait pas Safricas, il faut un compte bancaire. Pour qu'il y ait chaque véhicule bien, qui est un compte bancaire où il y a un projet, il y a un Tonga stade. Mbongo, il y a un poche à Moutouté. Mbongo, il y a un compte, il y a un compte, il y a Safricas. Compte bancaire ou ya Safricas ou tu fungoli pour na projet wana et que vous avez destiné ka pour na projet wana Safricas tant au bon et so kota et koki a bandi déjà ba travaux. Vous allez voir que dans un temps record stade y a vite à quoi vous avez construit centre vous avez construit ok la ba chani métal wana ba zèk ba spécialiste y a ba nin ba structure métallique ba konsa yabin ba tribune moko vraiment métallique moderne ba koko sa la yango. Il suffit kaka bo fungo la compte wana parce que le Congolais fonctionne avec la confiance. Confiance Congolais lingi ko kanisa toujours ki ba kon lianga mbongo ata alinga ka pesa 1000 francs a ko kanisa ki non so na pesa 1000 francs ba to ba kon voir to mona ki système ya tono. Bah, supporter, il y a Fibo, parce qu'il y a un tonneau tourno de bon cœur. Parce que l'équipe, il y a une vision, tout comme la société, tout ça, bah, comme un minène. Mais ça limite parce que qu'il n'a pas poche et abattu. Si maintenant, pour contrer cela, pour récupérer la confiance du gens, pour qu'il y ait un projet avec Safricas, bah, il y a un bango, voilà, nous allons ouvrir un compte. Et chaque supporter du DCMP, chaque supporter de Vita Club, de Renaissance ou bien quoi, a koya, a zo versé mon compte wana. Mon wango, et kozala trop stipulé, pesa ki mon wana e kozala, moutoua ya ko dekesse mon wana te, parce que mon wana sa yipon a projet à stade, mon wana sa yipon a projet à parking, mon wana sa yipon a projet à kozala ba boye na boye. Donc, mon wana kota, Safrika se perd par exemple, ce qui, Safrika sa bi, j'ai besoin de 20 millions. Ils ont monté mon bon appétit 20 millions, 30 millions pour construire stade douana. Moi, stade mon coso qui a 15 000 places ou bien nini. J'ai besoin de 20 millions. Eh bien, compte bancaire est fou, moi, ami. Bon, ils ont compte à la compte. Tant que comme il a un niveau mon coco boibabino avec à part comme il est déjà à 5 millions, tout coup on a déjà ma travaux. On dit déjà ma travaux, c'est qu'on va sauter à bino. Vous continuez. Bah, zopé ça fait mon tout mon copé. Il faut régulièrement à communiquer car à zopé ça va compte rendu. Il y a bah. Évolution, bah, travaux, voilà, voilà, tu dépensais déjà autant, audit, vraiment, et ça, les mains, en toute transparence, vous allez voir que la confiance va revenir, car, Vita Club, dans une ville, on est à Kinshasa, tu cours le bac, Vita, au moins, disons, 8 millions de supporters. Ce que chaque supporter a, il y en a un dollar, vous avez, non, dans la seconde, dans la journée même, vous avez 8 millions de dollars. C'est possible de réaliser de grandes choses. Et sans ce qu'on a compté, il y a un grand mécène, il y a Vito, il y a un grand mécène, un grand baron, il y a Vita Club. Ce qui va payer, au lieu de payer 1 dollar, on va payer 100, on va payer 1000. Je crois que le stade doit être terminé très vite. Donc voilà, ils allaient réflexion, tout ça, il est lourd, hein. Tout allait contre Vita Club, tout allait, n'amour, il y a Vita Club. D'ailleurs, ceux qui ont été filmés à la façon des supporters de Vita Club, bah, l'objet, trop, c'est trop, il y a des choses qu'il faut montrer, il faut dénoncer, pour que Mboka et Kendeli Bosso, pour ça, tout ça, il n'y a pas de on va continuer à tourner toujours en rond, on va continuer toujours à dire, d'ailleurs, Mboka, Oyo, et Koufa, Nango, Kala. Mais non, Mboka, et Koufa, Kala, Mboka, et Sali.
Mboka ezali, mais nous on n'entretient pas Mboka. Nous allons wana kaka, on achète de grosses voitures au lieu de kobomisa banzela. Bandana na kosa banzela avant d'acheter de grosses voitures. Nous achetons des grosses voitures pour des chaussures et tout. Au retour de ma chaussure en wapi. Donc c'est ça le grand problème des Congolais. Tolingi toujours quoi embellir, tolingi ko pa kola mafuta, tolingi ko tia ba parfum, mais à l'intérieur c'est pourri. Donc il faut absolument que tout change de mentalité wana. Tu es baké, un club comme Vita Club a pendant un certain quelques années fait illusion, hein, fait croire que Nini, on ne sait pas ce qui deviendra le tout puissant Mazembe quand Nini Moïse Katumbi ne sera plus de ce monde. Mais j'espère en tout cas que à côté que base on est continuer à supporter à tout puissant Mazembe. Il faut pas comprendre que c'est pas Moïse, donc ils arrivent continuité à tiquer les binos stade, à tiquer les binos boyer pour continuer n'ango, sinon Mazembe va retourner à Kiba, ça va libre. Donc vous voyez un peu Loupopo actuellement, ils ont dépendre d'un gouverneur boyer, mais tant gouverneur n'a osé sauter, est-ce que Loupopo ils ont assouci maté? Il faut vraiment que les Congolais puissent prendre conscience. En tout cas, si vous avez une réflexion, vous partagez en vous, l'image en vous, ils ont l'image beaucoup brute, tout filmé en vous, tout ça qui est des passages dans le côté où il y a Kimbondo, et ça ne peut pas se tomber que nous partagez l'information, il y a des coups, on a vraiment essayé jusqu'à quel niveau de commis. Ceux qui le léopard, le commis au pola, ils ont dit qu'il y a faute avec ton coupé, ceux qui le léopard, le commis dans le niveau, ils ont dit. Parce que il y a les désordres partout au niveau sport, même la Jeux Olympiques, tout le monde a des désordres, voilà. Et qui même athlète local, Marie Brandseur, a réclamé pour pimélier drapeau, mais ma drapeauté, vous pimélier, il y a bon, il y a entraînement. Et après, les résultats, comme ça, vous allez venir trôner là, en gagnant des ministres, en gagnant des bacolés, c'est à boxer sans l'aide de l'État. Tant qu'on a gagné, vous voyez qu'on a récupération pour Bimis Bambongo, pour l'enquête, il y a un aéroport pour faire de la récupération politique. Lutteur, il y a un peu de Maroc, Bazar, qui collé là, Boutou Moïki, oh voilà, formation, tu dis que tu préparation, il y a un El Djadi, Dakuna, pour tous déjà la maîtrise, il y a un tatami, on a un Congo, tous en angoté. Maintenant, ils sont entraînés devant les stades de Nivarati, vous avez un peu de temps. Mais tant qu'on a ramené 10 médailles, Bayambi Bango, et voilà, le ministre Wario, Makamon et Fouessil. Si vous avez une réflexion, vous partagez en gros, tout ça, vous contre mon côté, mais toujours réfléchir, caca, toujours que vous avez moyen pour mon cannabis, sport, cannabis, et zone à la place de Yango. Partagez, likez, et surtout ceux qui ne sont pas abonnés, en tout cas, vous abonnez, et la petite cloche de notification pour vous en côté, vous allez alerter chaque fois que DMTV retire vidéo Yassika en ligne. Bon, tic à la malam, en tout cas, passez une excellente journée comme ça. Quand les amis m'ont pas y'a, Boibikaka, le football congolais va retrouver ses lustres parce que Hector Cooper, tu tiens déjà les bandes. Merci, au revoir.